Good morning, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, le Lunishma, de Morira, Béchumel, Béchumel, Zalman, Nissim, Nahouda, Sarah, Betran, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Shlomo, Nissim, Ben Sarah, ainsi que le prophète Avraham, Morim, Ben Rehout, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Michel, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Maserhet Menachot, Perek Bet, Mishnah Gimel. Atoda mefagalet et alechem, valechem et no mefagalet atoda. Keitzad. Achouchet et atoda, lechol mimena le machar, hi, valechem mefugalin. לאכול מדלחם למחר, הלחם מפוגל והתודה אינה מפוגלת. הכבשים מפגלים את הלחם והלחם אינו מפגל את הכבשים. כיצד? השוחט את הכבשים, לאכול מהן למחר. הם והלחם מפוגלים. לאכול מן הלחם למחר, הלחם מפוגל והכבשים אינו מפוגל. Un petit principe de nouveau dans l'interdit de pigoule. Pour rappel, l'interdit de pigoule de la Torah, c'est que lorsque j'apporte un korban, il y a quelque chose à prélever, un échantillon à prendre et à offrir au misbéach. Ça peut être pour un korban si c'est un animal, récupérer le sang, asperger au misbéach. Ça peut être si c'est une mincha, récupérer le kometz et la levona et aller le jeter, le brûler au misbéach. Une fois qu'on a fait ça, on va permettre le reste au kohanim ou au propriétaire à manger ce qu'il a apporté. L'interdit de pigoule, c'est un problème d'intention. Au moment où on a offert au misbéach l'échantillon, on avait l'intention de manger le korban au-delà des limites de temps permises. Ça, c'est l'interdit de pigoule. Il y a un interdit de karet qui va tomber sur la mincha. D'accord ? Un karet très particulier. C'est ce qu'on appelle le pigoule parce qu'on a eu intention de consommer au-delà des limites de temps. Le but de notre Mishnah maintenant va être de nous parler de certains korbanot où, en plus d'apporter ton korban, la Torah a insisté que tu lui apportes des garnitures. Le principe du ikar et tafel. Ikar, l'essentiel, et tafel, des choses qui sont en plus, qui viennent embellir, garnir le korban. Deux exemples qu'on va évoquer dans la Mishnah. Le deuxième, que vous connaissez déjà, parce qu'on l'a évoqué plusieurs fois déjà dans les Mishnahs précédentes, c'est les kivse atzeret. À Shavuot, on devait apporter des gvasim, des moutons, et des pains. Alors, les moutons, c'était des shlamim. Grâce aux shlamim qu'on apportait, donc qu'on faisait en korban shlamim, on pouvait à la fois manger la viande des shlamim par les kohanim, et même aussi les pains devenaient permis. D'accord ? Donc la Torah a insisté, lorsque tu vas faire ce rituel des pains avec les shlamim, tu vas porter deux korban shlamim, tu les fais, une fois que tu les as fait, tu vas pouvoir manger la viande et le pain. Lorsque tu fais le shlamim, c'est pour permettre essentiellement le shlamim. Mais en plus de ça, la garniture qui est venue avec, le pain. C'est normal, si tu veux faire un sandwich avec une bonne grillade, il faut du pain et il faut aussi de la viande. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est la viande. D'accord ? Le pain, ça s'achète à la macolette. Voilà, la boulangerie, la viande, c'est là l'essentiel. D'accord ? C'est le principe. Idem encore dans un autre domaine, c'est lorsqu'on apporte un korban toda. Le korban toda, c'est un korban que l'on apporte, que l'on doit consommer dans la journée jusqu'à la nuit suivante, et c'est tout. Un jour et une nuit. Lorsqu'on apporte le korban toda, il faut aussi apporter 40 pains. Un rituel très beau et très particulier. C'est des 10 pains qui sont chametz, 30 pains. Ça fait la moitié en volume en fait. 30 contre 10, on partage la volume. Et le volume, on le partage en deux. Avec la moitié, on fait 10 pains qui sont chametz, 30 pains qui sont des rikikin et des petits pains. Chalot, rikikin. Et. Ok. Maintenant, l'essentiel du korban toda, c'est la viande. La garniture, c'est le pain. Le sujet maintenant va être de savoir. Vous vous rappelez, pigoule, j'offre l'échantillon avec intention de manger. Au-delà des limites de temps. Le but de notre Mishnah va être de savoir, lorsque maintenant, je vais avoir deux choses qui vont devenir permises grâce à cet échantillon. L'essentiel et la petite garniture, le petit superflu qui vient l'accompagner. Si j'ai eu l'intention de manger l'un ou l'autre, est-ce que ça va influencer le statut de l'autre? Ouais, bon, il y a un cas où il y a l'essentiel, c'est-à-dire mon échantillon va permettre une chose essentielle et un petit supplément. Alors la Mishnah, le principe de la Mishnah qu'il va y avoir tout de suite, ça va être que si lorsque j'ai fait le korban, et j'ai offert l'échantillon au misbéach,
J'avais intention de manger la petite garniture au-delà des limites de temps. La garniture, elle est devenue pigoule, mais la chose essentielle, elle n'est pas pigoule. Tandis que si j'ai eu l'intention de manger la chose essentielle au-delà des limites de temps, donc elle est devenue pigoule, même la petite garniture, elle est devenue pigoule, même si j'avais une intention de manger la garniture en temps et en heure. D'accord? C'est le principe. On fait tout ça dans les mots tout de suite. Atoda mefagelet et alechem. Le korban toda va rendre pigoule, répugné, le pain. Si tu as une intention qui va invalider la viande, ça va aussi invalider le pain. Ve'alechem eno mefagelet atoda. Tandis qu'une mauvaise intention sur le pain ne va pas provoquer le pigoule, entraîner le pigoule sur la viande. Keitzad, comment se présente le cas? Ashochet et atoda, celui qui va égorger le korban toda. Le'echol mimena le'machav, avec intention de la manger le lendemain. La viande, il va la manger le lendemain. Hi ve'alechem mefugalin. Le korban elle-même, ainsi que le pain, tout est devenu pigoule. Par contre, si c'était le'echol mimena le'chem le'machav, si son intention n'était que de manger le pain le lendemain, alechem, mais fougal, le pain, il est devenu pigoul, mais veatoda, ena me fougalet, le korban toda, il n'est pas devenu pigoul. Idem encore. Akvasim me faglinet alechem, vealechem, ena me fagelet akvasim. Les moutons vont. On revient maintenant sur le kifsatseret avec les pains. Donc les moutons rendent pigoul les deux pains de Shavuot, tandis que Ve'alechem eno mefagel et akvasim. Les pains ne vont pas rendre pigoul les moutons. Keitzad, comment se présente le cas? Même principe. Ashochet et akvasim. Celui qui va égorger les moutons. Le'chol mehen le machar. Avec intention de les manger le lendemain. La Torah nous a dit, tu fais les korbanot à Shavuot et vous les mangez à Shavuot. Vous ne les laissez pas le lendemain. C'est des shlamim qui vont manger en un jour et en un jour, même pas une nuit, je ne sais pas. En tout cas, sûrement pas le lendemain. Donc, Ashochet et Akvasim, l'Echol Mehen le Machar, avec intention de les manger le lendemain. Ah, l'essentiel, il a été mal fait, il est devenu pigoul. Hem ve'alechem mefugalim. Eux, les moutons, ve'alechem et les pains, les deux pains, tout est devenu pigoul. Par contre, l'Echol Mina Lechem le Machar, s'il avait l'intention de manger que le pain le lendemain, Alechem, mefugal, le pain il est devenu pigoul. Ve'akvasim, enan, mefugalim. Par contre, les moutons ne sont pas devenus pigoul parce que, selon le même principe, c'est pas parce que la petite garniture, tu as une mauvaise intention qu'elle est devenue maintenant, elle est devenue psoula, invalidée. Il n'y a pas de raison pour autant que l'essentiel, il a été lui aussi invalidé. Lui, l'essentiel, il était bien fait. Donc il est quand même mangeable et il n'y a plus d'interdit de karet. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Slachakolto, c'est là.